Salut Loustic, c'est Van Axel et bienvenue dans Un passionné de musique découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaye de découvrir des artistes ou des morceaux que je ne connais pas. Je rappelle les règles que je m'impose, on pose pas pendant les morceaux et on balaye tous les styles musicaux parce qu'il y a du bon partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui on répond à une suggestion du groupe qui m'a contacté directement, donc notamment Robin le Neutre, comme on dit aux US, Robin le Neutre, comment dire en français. Donc il y a un guitariste français qui s'est fait pas mal connaître par des reprises sur YouTube, hein, très très talentueux. Et ils viennent de monter, enfin lui et ses amis viennent de monter un projet qui s'appelle Rêve Noir, donc un nouveau groupe, produit par notamment des mecs de Novelist ou Kadinja, mixé par l'ancien guitariste de Vitring the Martyr, et masterisé par Lance Sprank qui a travaillé notamment avec Polaris, un groupe australien, Alpha Wolf, Thornhill, Void of Vision. Et le clip a été monté par Aurélien Maria qui travaille avec des groupes comme Resolve, Landmark, donc des noms connus dans la scène metal moderne. Donc je suis curieux d'écouter ça parce qu'en général c'est quelqu'un qui fait des très 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 bons morceaux. Ça sort le 1er septembre, j'ai eu le lien en avant-première, donc on va se le faire ensemble. Et puis ensuite je donnerai mon avis comme d'habitude et on donnera la force au groupe s'il le mérite, attention. Allez, c'est parti avec Rêve Noir et le morceau c'est Bang Bang. Let's go. Voilà, ouh, on est dans le moderne, tout ce qu'il y a de plus moderne, avec une prod très 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 lourde. On voit le Robin là. Les petits glitchs. Les petites nappes de synthé. On s'inscrit bien dans cette tendance metal moderne, ça fonctionne de fou. Yes! J'aime beaucoup le grain. Très intéressant. Yes! Les cleans sont ultra propres. Avec les voix doublées derrière. Grosse, grosse production. Yes. Les riffs avec les nappes de synthé comme ça, ça fait penser un peu à du architecte plus moderne. Beaucoup de ups and downs, tu vois, dans la rythmique, dans l'intention, des moments plus calmes, des moments plus rentre dedans, et ça fonctionne bien quand il y a autant de contrastes musicaux. Grosse classe à l'électronique aussi. Ouh, énorme place. Yes. Il aime bien ça aussi, Romain. Les bien low tune des guitares là, bien lourd. La prod est magnifique. Ouh. Yes. Un putain de banger. C'est groovy, tu vois.
un peu gentil, tu vois, là, dans la saccade des riffs. Très, 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 très chaud. C'était Rêve Noir avec Bang Bang. On va bien sûr streamer ça à fond. J'espère que vous avez kiffé. C'était super intéressant. Alors, si on décrypte un petit peu, on coche toutes les cases de tout ce qui est métal moderne, tendance actuelle, on va dire. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, si t'aimes ce qui se fait de manière, on va dire, actuelle dans le metalcore. Ça fonctionne de fou. C'est super bien produit. Le mix est incroyable. Les arrangements sont fous. J'aime beaucoup le choix de mettre énormément d'électronique en avant. Ça fonctionne de fou. Ouais, si vous aimez le métal moderne, ça coche vraiment toutes les cases, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le choix d'avoir, avec la guitare, en fait énormément de rythmique, peu de mélodie sur la guitare, et la mélodie qui est énormément donnée par tout l'aspect électronique. Il y a un moment où il y a la guitare qui fait une mélodie, dans un moment, genre dans le bridge, il me semble, c'est parce que... Mais elle a une sonorité très, justement, très synthétique, et justement, elle joue ce rôle de mélodie à ce moment-là. Mais globalement, elle donne cette lourdeur, la prod est vraiment clean, la basse, on l'entend bien. Peut-être ça pourrait mettre un peu plus en avant dans le mix, mais c'est parce que j'aime bien quand les basses sont fortement mises en avant dans le mix. C'est un petit kiff perso. Mais franchement, il n'y a rien à dire sur le morceau. Bien construit, les refrains, il est catchy as fuck. Le mix est fou. Le fait qu'ils ont doublé, voire triplé les voix, enfin peut-être même plus que ça, potentiellement, énormément de pistes de voix qui viennent donner de la puissance, de la lourdeur au morceau. Je vous mettrai les lyrics en description si ça vous intéresse. On va pas forcément se pencher dessus, mais ils m'ont filé tout un dossier presse, on va dire, avec les logos, les lyrics et tout ça. Donc big up à eux, on va bien sûr follow ça. Et en fait, c'est juste, j'espère juste les pousser le plus loin possible, parce que finalement, quand t'écoutes ça, t'entends un petit peu, je veux dire, le Architect, tu vois. Je suis pas un fan des derniers albums d'Architect, mais il y a ce truc un peu, tu vois, Architect, genre le morceau un peu Animals, ou truc comme ça. Et du coup, si tu veux, il y a aucune raison que ça fonctionne pas, ça doit fonctionner, ce genre de groupe. Il y a la place pour ce genre de groupe dans la scène. Et maintenant, il y a juste à nous de les pousser et d'aller les voir en concert, d'aller faire tourner leurs morceaux, d'aller acheter les albums. Et on leur souhaite que du bien. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, c'était une belle découverte. On va suivre ça avec très grande attention. Et encore merci à eux de m'avoir contacté. C'est un grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine, Loustic. Ciao, des bisous.